Alors, celle qui a tout compris, encore une fois, c'est Thérèse de Lisieux. Hein. Quand j'aurai commis tous les péchés, j'irai me jeter dans les bras de Jésus. Tous les péchés. Hein. Rappelez-vous cette image du prédicateur là, avec l'écran en 3D, et ta maman, ton papa, tous tes amis, tout le monde est là assis dans de grands fauteuils, il y a toute ta vie qui défile, y compris les trucs pas jolis, etc. Ouais. Eh bien, Thérèse de Lisieux, même pas honte. Même pas honte, même pas peur. Je vais me jeter dans les bras de Jésus. Elle a tout compris. Et à ce moment-là, Jésus a une solution. T'es mieux que de faire disparaître ma ténèbre. Mais mille fois mieux. Parce qu'il est très réaliste. Et ça, ça a un nom. Vous savez, le premier dimanche après Pâques, c'est là qu'on entend cet évangile. Ça a un nom, ça s'appelle la miséricorde. Jean-Paul II dit que la miséricorde, c'est le grand don que l'Église va faire à l'Église au monde au XXIe siècle. J'ai eu tel coup sur ma carrosserie, dans mon aide, telle blessure, telle violence. J'aurais aimé avoir une autre histoire, j'aurais aimé faire autre chose. J'avais des talents, je ne les ai pas mis en marche, je ne les ai pas exploités, un petit peu comme la personne qui a un talent et qui l'enfouit dans la terre. Et aujourd'hui, je suis là. Ben, peut-être que, voilà, notre vie, s'il fallait la réécrire, on la réécrirait autrement, c'est certain. Hein. On aimerait bien toujours avoir deux vies, une pour apprendre à vivre et une pour vivre. Mais c'est pas ça. Mais pourquoi on n'a pas deux vies? Parce qu'on a un sauveur. Et le sauveur, il nous dit, mais tu sais, moi je t'aime tel que tu es. Et donc, tes petits coups de bosse, c'est pas très grave. Si tu acceptes d'être sauvé, si tu acceptes que je te prenne, que je te serre dans mes bras, que je te donne ma miséricorde, au soir de notre vie, nous ne serons pas jugés sur ce qu'on aura fait, sur notre passé, sur un chemin sans faute. Au soir de notre vie, nous serons aimés parce que nous serons devenus vraiment fils, filles de Dieu. Il connaissait tout ça. Je lui dis, mais toi, tu fais quoi comme boulot? Il me dit, moi, je suis prêtre. Au début, je lui dis, mais service secret des prêtres, comment ça se passe au Vatican? Et il me dit, non, moi, j'étais directeur export d'une multinationale, j'avais fait une INSEAD, et puis un jour, j'ai rencontré Jésus. Moi, je me suis dit, il y a un problème psychologique, donc je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a vraiment, ce type. J'ai commencé à lui poser des questions. Donc, tout le week-end, je lui posais des questions. C'était la première personne qui répondait à mes questions, non pas comme s'il avait étudié sur Dieu, mais comme s'il connaissait Dieu. Et ça changeait tout parce qu'il me donnait des réponses rationnelles, logiques. Et au bout du week-end, il me dit une phrase. Il me dit, écoute, on peut discuter durant toute l'année si tu veux, mais Dieu a dit... Si tu me cherches tout ton cœur, tu me trouves. Et donc cette phrase est restée dans ma tête. Je suis rentré chez moi à Marseille. Et comme j'ai fait des études d'informatique, donc on est un petit peu formaté binaire, des 1 et des 0. Donc j'ai fait cette réflexion. Je me suis dit, si Dieu vraiment existe et qu'il m'aime et qu'il a dit, si tu me cherches tout ton cœur, tu me trouves, j'ai deux choix. Soit je le cherche, soit je le cherche pas. C'est une parabole, mais c'est une histoire vraie. Un soir, à Rome, nous sortons, ma femme et moi, d'une maison et on doit prendre un 87, un bus, et puis après un 49, Piazza Cavour. Et le samedi soir, à Rome, i mezzi pubblici, les moyens de transport sont assez faibles. Et quand on sort, on voit le 87 qui arrive. Si ça avait été moi tout seul, je courais et je l'attrapais. Mais ma femme, elle ne peut pas courir. Et donc, j'allais quand même pas la larguer sur le trottoir. Donc, on est allé à l'arrêt et le 87 était parti. Et à ce moment-là, ma femme s'est tournée vers moi. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Et elle m'a dit, et maintenant, tu dis quoi? Et j'ai répondu, Dieu a un meilleur plan. Admiré, hein? Alors, en effet... 5 minutes plus tard, un deuxième 87, miraculeusement, parce qu'on est quand même à Rome, arrive. Nous montons dedans,
il est presque vide, puisqu'il y en a un qui a précédé, on peut s'asseoir. Et puis, il roule, et tous les arrêts avaient été pris par le précédent, donc on ne s'est presque pas arrêté. Et à un certain moment, on s'est retrouvé derrière le premier 87, et puis on l'a dépassé. Et puis on est arrivé Piazza Cavour. On est descendu Piazza Cavour. On a pu monter dans le 49, on était à peine monté qu'il est parti. Et pendant qu'il partait, on a vu le premier 87 qui arrivait. Tchouk, 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 tchouk. Dieu avait un meilleur plan. Je suis venu à Rome mu par un mélange de curiosité et de nostalgie. J'en repars catholique. Et c'est dans cette foi que notre fille sera baptisée quelques semaines après. Et cette fois, pas pour faire plaisir à ma femme. Alors après l'intensité de cette étape, je dois remettre de l'ordre dans ma vie. Ma femme est heureuse de me retrouver transformée. Il y a la question de la franc-maçonnerie qui se pose. J'ai eu la chance d'être bien formé dans ma jeunesse, donc je connais l'enseignement de l'Église. Et j'ai pu mesurer intimement combien l'Église est sage en disant « il faut choisir ». Soit une vérité que l'on construit soi-même par l'homme, soit une révélation transcendante qui nous est donnée, soit un baptême qui invite tout le monde dans la clarté, dans la connaissance ouverte à tous, soit un rite initiatique occulte dans lequel on est coopté. Vous savez, quand on soit l'effusion, peut-être, c'est vrai, on fait l'expérience de sa pauvreté avant, c'est pour ça qu'on le demande, mais après, on devient de plus en plus pauvre. Dans la charité du Christ, donnez-vous ça peu. Le Seigneur guérit un homme d'une addiction aux jeux d'argent sur Internet. Quand vous arriverez au ciel, vous allez voir tout le bien que vous aurez fait gratuitement. Et moi, j'ai senti vraiment dans mon cœur que le Seigneur m'appelait à lui donner mon bébé. Et est-ce qu'on va entendre que telle ou telle personne a soif de quelque chose, même si elle ne le dit pas? L'objet de ce petit cycle est bien d'aider les chrétiens à vivre l'épreuve présente. Et ça a vraiment résonné en moi et je suis sortie pour la première fois. On est un pauvre type, une pauvre femme, pauvre homme. On n'a rien compris du tout. Et je vous le dis, je vous conseille, si un jour ça vous arrive, priez pour ceux qui vous font du mal. Chaque prêtre présent au milieu de vous. Dans ma vie, je ne sens plus de sujet de comparaison et de jalousie. Bah, lundi, ça fera 2 ans que j'ai été baptisé à Paris-Monial. Heureux les invités au repas des noces de l'année. Comment, dans nos écoles, on envoie en mission nos jeunes? Et c'est comme cela que nous sommes heureux. Et c'est Marie qui m'a conduit à Jésus. À demain pour le petit parodien.